J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le journaliste et historien Dominique Vidal, spécialiste du Proche-Orient et auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien. Dominique Vidal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous livrer votre réflexion au sujet de la notion de liberté d'expression et ses limites. Alors, ce droit fondamental auquel nous sommes tous profondément attachés fait de nouveau l'objet d'un débat passionnel en France, dans un contexte particulièrement tragique qui a été marqué par les assassinats atroces de l'enseignant Samuel Paty et de trois paroissiens à Nice. Alors, vous venez de publier un texte aux accents un peu pamphlétaires intitulé « Encore un effort, Monsieur le Président, pour ne plus être islamophobe », dans lequel vous revendiquez, au nom précisément de cette liberté d'expression, le droit parfaitement légitime de critiquer Charlie Hebdo, de désapprouver ses dérapages, selon vos propres termes, d'être choqué par ses caricatures, sans être aussitôt taxé d'islamo-gauchiste, voire pire, d'islamo-fasciste. Alors, Dominique Vidal, indéniablement, vous allez à contre-courant de la doxa dominante. Est-ce que vous diriez que vous subissez une forme de tyrannie intellectuelle et pour quelle raison? Oh non, de tyrannie intellectuelle, non, non, de quiconque, certainement pas, non. Je crois qu'il faut bien comprendre que le débat sur la liberté d'expression a ceci de paradoxal, que c'est au nom de cette liberté d'expression qu'on est en train de mettre en cause nos libertés, à nous, je veux dire, les citoyens français. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de la liberté d'expression, mais qu'on parle aussi des véritables menaces qui pèsent sur elle en ce moment. Alors, commençons par Charlie, puisque c'est le point de départ. Je veux dire une première chose qui est évidente pour moi, comme journaliste, mais aussi comme citoyen, c'est que Charlie a le droit de publier ce qu'il veut au nom de la liberté d'expression, qui n'est limitée que par la loi. Et je rappelle que la loi sanctionne toute incitation au racisme, y compris évidemment à l'antisémitisme et à l'islamophobie, puisque la Commission consultative nationale des droits de l'homme inclut l'islamophobie dans les différentes formes de racisme qu'elle combat. Deuxième remarque, au nom de cette même liberté d'expression dont Charlie jouit, et il ne s'en prive pas visiblement, nous avons évidemment le droit de critiquer Charlie et ses dérapages, sans être, comme vous l'avez dit, traité d'islamo-gauchiste ou a fortiori d'islamo-fasciste. J'ai une troisième remarque à faire, c'est que rien n'obligeait le président de la République, dans son discours solennel, lors de l'hommage à Samuel Paty à la Sorbonne, de reprendre le mot, le terme caricature. La langue française est quand même assez riche pour trouver des synonymes. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une bonne partie des opinions dans le monde, disons, arabo-musulman, pour aller vite, lorsque les gens entendent caricature, ils pensent immédiatement aux représentations, à leur avis blasphématoire, vis-à-vis du prophète. D'où les réactions qu'on a pu voir dans tel ou tel des 57 États, 57, hein, de la Conférence de la coopération islamique, et du coup, la dégradation assez rapide de l'image de la France. On aurait tort de penser que le boycott ou telle manifestation sont des phénomènes marginaux sans importance. En réalité, tous mes amis avec qui je parle, hélas de loin maintenant avec la Covid, me disent que profondément, ces opinions sont troublées, pour ne pas dire en colère. Alors, face à cette hostilité que cela a suscité dans le monde arabo-musulman, mais aussi à une certaine incompréhension ailleurs dans des pays dits voisins et alliés, Emmanuel Macron ne cesse de clamer depuis quelques jours, à la fois devant la caméra d'Al Jazeera et il y a quelques heures encore dans un courrier qu'il a adressé au Financial Times, que la France combat l'islamisme, ses dérives et ses crimes, et en aucun cas l'islam, qui en fait est la victime collatérale de tout cela. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette démarche d'Emmanuel Macron qui tente apparemment d'apaiser les tensions, de dissiper certains malentendus? Je ne doute pas que le président de la République ait pris la mesure de la colère, ou en tout cas, je l'ai dit, du trouble qui a saisi les opinions face à cette affaire. Je crois cependant que tout président de la République qu'il soit, il est un peu dans le cadre de ce que nous savons, c'est-à-dire que les paroles s'envolent et que les actes restent.
Et les actes, c'est tout ce que nous savons. C'est-à-dire, je n'y reviens pas, les discriminations, les humiliations que subit une bonne partie de la jeunesse, pas seulement d'ailleurs musulmane, mais en particulier les enfants de l'immigration. La réalité d'une pauvreté, parfois d'une misère, d'un difficile accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, dans les quartiers dits sensibles, tout cela, c'est quand même le terreau sur lequel nous avons, et moi, pour avoir beaucoup parlé, discuté dans les banlieues, vous vous souvenez peut-être, à une certaine période, nous faisions cette tournée des villes et des banlieues avec Leïla Chaïd et mon ami anticolonialiste israélien Michel Warshavski. Je sais combien toutes ces discriminations, toutes ces humiliations rendent les gens, et en particulier les jeunes, particulièrement sensibles, parfois trop. Mais il faut dire que Emmanuel Macron, avec prudence, sans doute, mais ses ministres avec beaucoup moins de prudence, je pense au premier d'entre eux, Jean Castex, je pense au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je pense, je dirais presque surtout, à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, tous ces braves gens nous jouent l'air de l'amalgame entre terroristes et islam, entre islam et musulmans, et il suffit de lire ce qu'ils disent pour bien mesurer cet amalgame. Et c'est ça qui me préoccupe, cet amalgame-là, parce qu'on rend responsable des millions de citoyens français de confession ou de tradition musulmane, d'actes qui n'ont rien à voir avec eux. Je veux dire, moi, je connais combien de jeunes musulmans, je n'en ai quasiment pas rencontré, sauf parfois sur les réseaux sociaux, mais qui se cachent derrière l'anonymat des réseaux, qui approuvent, défendent les actes monstrueux commis à Conflans ou à Nice. Et puis, j'ajoute Avignon. Là, il semble que ce ne soit pas un tueur musulman, un tueur islamo-gauchiste. Non, c'est un tueur identitaire. Mais tout d'un coup, dès qu'on a appris que le tueur présumé portait un T-shirt de Génération Identitaire, alors on n'en a plus parlé. Ces amalgames sont très, très dangereux pour notre société, pas seulement pour les musulmans. Alors précisément dans votre texte, vous écrivez, je vous cite, « Il faut calmer ceux qui rendent l'islam et les musulmans responsables des crimes monstrueux de tueurs prétendant agir en leur nom. » Alors vous dénoncez là un deux poids, deux mesures politico-médiatiques dans le traitement du terrorisme, selon qu'il soit d'essence islamiste, d'extrême droite ou suprémaciste blanc. Ben oui, si vous voulez, si vous accusez les musulmans dans leur ensemble, en laissant entendre, voire en disant qu'ils portent une responsabilité dans les crimes dont je viens de parler, alors je demande pourquoi les mêmes n'ont pas accusé les églises lorsque des tueurs suprémacistes non moins monstrueux ont perpétré des massacres de masse au nom de la supériorité de la civilisation chrétienne, d'Utoya à Christchurch, en passant par les États-Unis. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, ce sont ces groupes-là, les tueurs suprémacistes, qui revendiquent la majorité des attentats commis outre-Atlantique. Donc on a quand même, comme vous dites, deux poids, deux mesures. Et ce qui me préoccupe, c'est l'hystérisation du débat à partir de ces amalgames. Je prends un exemple qui, personnellement, m'a beaucoup touché, même plus que touché. Voilà que l'excellente émission 28 minutes sur Arte invite Pascal Bruckner, dont on connaît les thèses, et pas seulement par rapport à l'islam, hein, aussi sur les femmes. C'est un anti-féministe farouche. Eh bien, Bruckner accuse devant des centaines de milliers de téléspectateurs, Rokhaya Diallo, d'être, il le dit comme ça, responsable de l'assassinat de l'équipe de Charlie en janvier 2015, parce qu'elle a fait une tribune avant qui critiquait Charlie et ses positions. Et je vais vous dire, ce qui m'a le plus meurtri comme journaliste, c'est que ma consœur Elisabeth Quint,
que j'estime, enfin, en tout cas, que j'estimais jusque-là, n'a pas réagi. Justement... Elle n'a pas dit, Monsieur Bruckner, taisez-vous ou sortez. Vous n'avez pas le droit de formuler une accusation aussi monstrueuse. Voilà, quand justement... on regarde aujourd'hui, et laissez-moi juste pour faire. Quand on regarde les télévisions du type BFM TV et CNews, on est habitué à ça, puisqu'il semble que le PDG de BFM TV et de CNews réunis, ce soit un certain Éric Zemmour, qui est, comme vous savez, un repris de justice. Il a été condamné. À plusieurs. Donc, je ne vais pas m'émouvoir de ce que font BFM TV ou CNews. Mais quand Arte laisse Pascal Bruckner accusé de meurtre de masse, toute l'équipe de Charlie, Rokhaya Diallo, sans que la modératrice ne dise un mot, ne réagisse, alors là, je m'inquiète parce que ça ne sont plus les télévisions poubelles, mais c'est une des meilleures télévisions que nous ayons en France et d'ailleurs en Allemagne qui est en cause. Et c'est pour ça qu'au début, je vous parlais de tyrannie intellectuelle, parce que là, l'accusation de Pascal Bruckner est évidemment révoltante, et, mais tout le monde est muselé ou s'automuselle. Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure au début de tyrannie intellectuelle, véritablement. Elle est là, elle existe véritablement. C'est vrai, mais je voudrais que, pour notre conversation, on ne se focalise pas seulement sur cet angle de la question, parce que je sais que vous avez un public qui est, pas uniquement, mais largement de culture ou de religion musulmane, et je voudrais dire à ceux qui nous regardent qu'ils ne doivent pas considérer ce qui se passe comme une opération les visant eux et seulement eux. Autour de cette affaire d'islamophobie hystérique, il y a une opération politique de toute première grandeur. Dupond-Moretti l'a dit magnifiquement tout au début de cette campagne. Il a dit à France Inter, vous en souvenez peut-être, la manipulation de l'émotion à des fins politiciennes me dégoûte. Et bien moi aussi, et beaucoup de Français, ça me dégoûte. Et je veux dire que quand j'ai entendu l'autre jour Marine Le Pen parlait au micro de RMC de, je cite, « prendre le pouvoir ». Étrange formule. Eh bien, je me dis que pour y parvenir, l'extrême droite manipule l'horreur des attentats et d'ailleurs aussi l'hécatombe du Covid, parce que tout ça crée un climat. Elle compte, cette extrême droite, sur un certain nombre de ministres, je l'ai dit, dont les surenchères la légitiment. Elle compte aussi sur, je ne sais pas s'il faut dire les idiots utiles ou les idiots inutiles, de l'hiver républicain de Manuel Valls. Elle compte sur tous ces journalistes, pamphlétaires, commentateurs que j'ai évoqués. Et tout cela nous donne ce que Clémentine Autain a appelé l'autre jour un climat pré-fasciste. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît l'histoire de France, quand on voit l'Action française organiser une manifestation factieuse contre la République corrompue sur la place de la Concorde, ça rappelle des vieux souvenirs. Que ceux qui nous écoutent aillent regarder ce qui s'est passé le 6 février 1934 sur cette même place de la Concorde. Alors, je ne sais pas jusqu'où ira cette opération, je ne suis pas ni pessimiste ni alarmiste. On a franchi un nouveau palier, là, selon vous. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les dégâts sont d'ores et déjà considérables, et ce sont, je le disais tout à l'heure, des dégâts sur nos libertés. La dernière menace en date, vous le savez, c'est une loi qui interdirait la publication, de fait, de photos, de vidéos montrant des policiers en action, même si cette action outrepasse de loin leurs fonctions. Par exemple, ces lycéens qu'on a gazés parce qu'ils faisaient un blocus de leur lycée, en considérant que du point de vue sanitaire, la situation n'était pas convenable. Je pense aux journalistes en garde à vue, pendant une nuit, sans raison, pour ne pas revenir sur la répression sauvage des Gilets jaunes, combien ont perdu un œil, une main, une jambe. Autre menace immédiate, là on parle pas de demain, on parle d'aujourd'hui, cette pétition de 100 universitaires maccartistes qui, au nom du combat contre les islamo-gauchistes, exige maintenant, tenez-vous bien quand même, la constitution d'une sorte de comité d'épuration
des facultés. Et heureusement qu'il y a eu une contre-pétition qui s'est dressée contre cette nouvelle police de la pensée et qui a, d'après mes dernières informations, recueilli près de 3000 signatures uniquement d'universitaires attachés aux libertés, de toutes origines, de toutes convictions, de toute religion, évidemment. Bref, je crois qu'on a une bataille qui s'engage et qui est une bataille qui concerne tous les Français, pas seulement, je le répète, les Français de confession ou de tradition musulmane. C'est une bataille pour la sauvegarde de nos libertés, et je crains qu'il y ait un véritable danger. Préfascisation, c'est le terme de Clémentine Autain, je ne sais pas s'il n'est pas excessif, mais en tout cas, il indique réellement un risque qui pèse sur la République. Alors, des voix se sont quand même élevées récemment, elles sont minoritaires pour, alors je pense notamment à Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, à l'archevêque de Toulouse et plus récemment aussi à Luc Ferry, philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale. Tous s'accordent à dire, même si ça reste inaudible, tous s'accordent à dire que la liberté d'expression, au même titre que les autres libertés humaines fondamentales, a ses propres limites ou en tout cas devrait avoir des garde-fous. L'archevêque de Toulouse a même appelé à ce que l'on mette davantage en exergue la notion de fraternité dans le triptyque républicain. Et Luc Ferry, je le cite, s'est dit particulièrement indigné par des caricatures à la limite de la pornographie. Dominique Vidal, pourquoi selon vous en France, la liberté d'expression serait à ce point plus sacrée que le sacré lui-même? Est-ce que c'est un prétexte pour ce que vous disiez justement tout à l'heure, ce que vous énonciez? Je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce débat, et ça va répondre pour une part à votre question. Il a beaucoup été question du droit au blasphème. Mais c'est complètement absurde. Dans une république laïque, le blasphème ne peut pas être présent dans la Constitution ni dans les lois, que ce soit pour l'interdire ou pour le permettre. Le blasphème est une notion qui n'a rien à voir avec le droit français. C'est une affaire de croyance, de religion. On peut être choqué par des caricatures, on peut au contraire ne pas être choqué. Mais je vous le répète, et je suis d'accord avec l'idée que la liberté d'expression, elle a des limites, c'est celle de la loi. Je prends trois exemples, et je les prends dans Charlie, et je ne parle pas là des caricatures du prophète. Par exemple, il y a eu une couverture de Charlie où on voit trois femmes enceintes voilées, présentées comme des victimes de Daesh, des victimes sexuelles de Daesh, et ces trois femmes crient « nos allocs ». C'est un dessin, quand j'étais môme, que j'aurais pu voir dans le torchon de l'époque qui s'appelait « Minute ». Qu'est-ce que ça fait dans Charlie ? Deuxième exemple, le petit Elan, ce jeune garçon kurde qu'on a retrouvé sur une plage mort, quand il avait tenté de migrer avec sa famille. Le petit Elan a grandi, figurez-vous, et Charlie le représente, grand, en train d'essayer de violer deux femmes. Est-ce qu'on peut publier des choses comme ça? Ne serait-ce que par un minimum de respect pour ces dizaines de milliers de migrants qui sont morts dans la Méditerranée. La Méditerranée est le plus grand cimetière du monde. Troisième exemple, et qui est presque pour moi symbolique de la difficulté à avoir une opinion sereine. J'ai vu seulement en photo, je ne la connais pas personnellement, cette vice-présidente voilée de l'UNEF, qui s'appelle, je crois, Myriam Pougetou. Si je peux me permettre cette appréciation, mais j'ai 70 ans, donc j'ai le droit de dire ça, c'est une très belle jeune femme. Et Rhys la présente à la une de Charlie en guenon. Bon, d'abord, ça montre un machisme fondamental, voire pire chez Rhys. Mais je pose la question, moi qui ai été un journaliste dans la presse communiste, même si j'étais très critique, ce qui m'a valu d'être licencié du journal où je travaillais, moi je sais, par ma connaissance de l'histoire, combien les soviétiques et les communistes staliniens ont utilisé les comparaisons animalières pour dénoncer leurs ennemis.
Les titistes étaient des vipères lubriques. Jean-Paul Sartre était une hyène dactylographe, etc., etc. Qu'est-ce que ce genre de choses fait dans Charlie ? Alors, vous voyez, évidemment, le droit, la liberté d'expression, c'est indiscutable, et je le revendique, y compris contre Gérald Darmanin ou Jean-Michel Blanquer, quand ils les mettent en cause, mais je considère qu'il y a aussi une responsabilité des journalistes, des caricaturistes et de tout le monde, de respecter la loi. La loi, je le répète, elle interdit et elle sanctionne l'incitation à la haine raciale, comme elle sanctionne le négationnisme. Donc, il faut qu'on soit tous responsables. Et moi, je termine là-dessus parce que je trouve ça très important. J'ai beaucoup insisté pendant notre entretien sur les dangers, sur les risques, sur les tendances. Hein. Mais vous avez raison, il y a aussi beaucoup de réactions très positives. Je salue comme un fait majeur le fait que Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne, dont de toutes parts, quand je dis de toutes parts, ça va de l'extrême droite à Manuel Valls, en passant par combien de députés, de journalistes de droite ou de gauche, avec beaucoup de guillemets, combien ont demandé la tête de Jean-Louis Bianco et de Nicolas Cadenne, voire la dissolution de l'Observatoire de la laïcité, contre laquelle on n'a d'ailleurs rien à dire concrètement, parce qu'il fait son travail dans une conception, comme on dit, ouverte, mais c'est une conception républicaine de la laïcité. Eh bien non, ça n'a pas marché. Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne ont été reconduits dans leurs fonctions, ou plutôt ont été laissés dans leurs fonctions. Je suis aussi frappé par cette pétition, cette contre-pétition dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà qu'en 2-3 jours, presque de 3 000 universitaires se mobilisent pour défendre leur liberté, parce que au bout de du projet... Il y a des sursauts sanitaires. Il y a des sursauts de conscience, oui, des sursauts, oui, de conscience sanitaire. Et je trouve que ce n'est pas seulement en France. Il y a énormément de voix raisonnables. Vous avez parlé de Trudeau. Il y a eu d'autres voix, d'autres dirigeants. On sent aujourd'hui que le populisme, pour appeler ça comme ça, d'une manière globale, qui a déferlé depuis 3-4 ans dans le monde entier, je ne vais pas faire de liste, ce serait trop long, ce populisme rencontre de vrais obstacles, de vraies difficultés. On le voit aux États-Unis, inutile de commenter l'élection américaine, mais ce qui s'est passé en Pologne ces derniers jours est absolument extraordinaire. Voilà une loi qui limite complètement, presque à zéro, la possibilité pour les femmes polonaises d'avorter, même si le bébé, le fœtus est malade, et menace d'être... Enfin bref, même les choses les plus humaines étaient anéanties par cette loi. Il y a eu une mobilisation extraordinaire. Varsovie, la capitale polonaise, était absolument pleine de dizaines et de dizaines de milliers de personnes. Eh bien, le gouvernement polonais, sans doute le plus populiste de tous les populistes, a reculé. On vient d'apprendre qu'ils allaient revoir leur copie et retravailler sur cette loi. Voilà des signes quand même qui sont des signes, je trouve, encourageants. Et moi, j'appelle vraiment à une mobilisation à la fois massive, déterminée, mais sereine. La République, nous avons avec nous les libertés, nous avons avec nous des traditions qui ne supportent pas, en France et dans bien d'autres pays, toute forme de totalitarisme. Alors, vous appelez à une mobilisation générale, et d'ailleurs, la conclusion de votre texte sonne comme un véritable mot d'ordre, puisque vous écrivez « Le terrorisme ne passera pas, le fascisme non plus ». Alors, Dominique Vidal, en conclusion de cet entretien, vous les avez déjà un petit peu énoncées tout à l'heure, mais quelles sont vos craintes dans une France qui est aujourd'hui à la fois traumatisée, profondément meurtrie, et qui paye à nouveau un lourd tribut au terrorisme, mais aussi au ravage du coronavirus? Écoutez, ce qui me fait peur, c'est un climat qui s'est créé, qui se développe, dans lequel l'extrême droite puisse s'allier, de manière sans doute concurrentielle, mais s'allier quand même,
avec toute une série d'éléments de la Macronie, pour aller vite, mais aussi de gens qui viennent de la gauche. Valls est un peu le symbole de cette alliance-là. Ce que dit Valls, souvent, on pourrait le mettre dans la bouche de Marine Le Pen et inversement. Pourquoi ça me fait peur? Parce que en face, si vous me permettez de faire un mot de politique politique, ce que je fais très rarement, en face, il n'y a pas d'alternative unie. Il n'y a pas une gauche ouverte, rassemblée, qui dialogue avec tous ceux qui ont le même souci de la liberté. Et je pense en particulier, et je ne le dis pas parce que je parle à Ouma, mais parce que je le pense, et j'ai même moi travaillé pendant plusieurs années dans le quotidien catholique, La Croix. Je suis persuadé que parmi les forces qui peuvent aider la gauche et d'autres à repousser cette offensive contre les libertés, voire un danger de fascisation de notre pays, il y a une bonne partie des croyants musulmans, des croyants évidemment chrétiens et des croyants juifs. Il y a chez les croyants, souvent, pas toujours, mais souvent, un attachement à des valeurs qui sont les mêmes qu'un journaliste, un historien agnostique comme moi porte. Nous avons le même amour de l'homme, le même amour de sa liberté, le même amour de son bonheur. On pense que voilà, il y a des valeurs à défendre. Et c'est très dommage, à mon avis, que toutes ces forces ne convergent pas mieux, parce que si cette convergence se faisait, je serais absolument confiant. Il n'y a aucune chance, comme le disait le mot d'ordre chilien, que el pueblo unido soit vencido, que le peuple uni soit vaincu. S'il y a un véritable rassemblement populaire autour, je répète, de valeurs qui sont des valeurs communes, toutes ces tentatives échoueront. Dominique Vidal, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, c'est très gentil de m'avoir appelé. Au revoir. Au revoir.